Nous avons accompagné à Paris Élodie et Uriel du Collège Lafayette qui représentaient l'Académie de Clermont-Ferrand en jeu télévisé le jeu des jeux sur le thème des Jeux Olympiques. Coucou, on est arrivé à Paris, on est TGV, on est venu voir la Tour Eiffel et on va rentrer pour se préparer pour le tournage de demain. Nous sommes arrivés le vendredi soir et nous avons rejoint les plateaux de tournage le samedi matin. Après un peu d'attente, nous avons déjeuné puis rejoint le plateau de tournage. Chaque académie était représentée par un binôme mixte d'élèves de 5e. Hier soir on est arrivé, on a dormi et tout, et on était dans des dortoirs avec les autres personnes des académies. On a pris le petit déjeuner ensemble et on est allé au casting en quart. Et donc on est arrivé ici, on a signé quelques papiers, puis après on allait manger. Et là on attend pour aller sur le plateau. Quatre heures de tournage pour une émission d'1h30 qui sera diffusée en juillet sur France Télévisions. D'un niveau, vous êtes maintenant aux portes de la finale. Avant d'entrer. Donc, nous avons fini le plateau de tournage. Nous avons vu des sportifs de haut niveau qui font partie de l'équipe de France. Il y avait plusieurs manches. Donc, voilà, vous découvrirez le résultat pendant la diffusion qui est le 14 et 15 juillet. Donc, après, à la fin du tournage, on a pris le quart. On est allé donc nous amener à une station de métro. Et après le métro, on a pris le métro jusqu'à la gare de Lyon. Et là, on attend dans le TGV le retour pour le Puy. Et on représente l'Académie de Clermont. On a pris les t-shirts du Collège Lafayette, de l'association sportive du Collège Lafayette. Et pendant le tournage, en fait, ça s'est fait en une fois? Comment ça se passe un tournage? Il y a eu plusieurs manches. On a repris plusieurs fois les mêmes choses. Par exemple, les applaudissements et tout. Et oui, il y a eu des pauses parce que des fois ça n'allait pas, donc on a dû tout recommencer. Puis les manches, il y en a 19 à la première manche qui ont été éliminées. Donc 6 à la deuxième manche ont participé. Et après, il y a eu la finale où deux équipes se sont affrontées. D'accord, et vous avez été aussi salle de maquillage, comme on voit dans le film ou pas? Non, on a eu juste le droit pour voir s'il n'y avait pas de marque. Voilà, passer dans les rangs un moment pour le visage pour être compris et nous coiffer si ça n'est pas. Et le présentateur, vous le connaissiez ou pas? Non. Non, il était sympa? Oui, ouais. Il était très sympa. D'accord, et vous avez discuté un peu avec lui ou pas? Non. Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu? Pas dit grand-chose. Bon, vous êtes content de votre séjour quand même, ouais, ou pas? Ouais. Et hier soir, vous avez rencontré d'autres enfants d'autres académies un peu? Dans les dortoirs. Dans les dortoirs, en fait, et vous avez pu discuter un peu avec eux ou pas? Oui, il y avait Pauline. Moi, j'étais avec donc une fille, enfin d'autres filles. Il y avait Aix-Marseille, Dijon, et les autres, je ne sais pas trop, parce qu'elles ne m'ont pas dit. Voilà. Bon, c'est une belle expérience alors, oui. À refaire. Oui. Très bien.